Hey yo les loups, j'espère que vous êtes chaud pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur comment bien débuter sur Clash Guest, car il risque de sortir très prochainement mondialement. Si vous regardez cette vidéo, ça se trouve il sera déjà sorti mondialement. Sur ce, je vais vous faire découvrir les petites astuces à gauche, à droite, devant, derrière. Voilà, ce que moi j'ai pu découvrir avec le jeu, ce que j'ai pu apprendre avec le temps, même si je ne joue pas non plus depuis énormément longtemps, mais il y a quelques astuces à prendre. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, messieurs, dames. Donc, à prendre à la légère, car je ne suis pas un professionnel, et je suis qu'un amateur de jeux vidéo mobile. Merci à vous, on se retrouve tout de suite sur Clash Guest. Et là, les gars, c'est autre chose. Donc, vous voyez, les gars, j'ai bien avancé. Donc, on va commencer déjà, bien penser à récupérer le maximum de gratuité dans le shop. Ça, c'est indispensable. Après, bien penser à... voilà, à améliorer ses personnages au fur et à mesure. Donc vous voyez, moi je pourrais améliorer, j'ai pas encore amélioré, ça va se faire. Après il y en a qui ont des avantages, vous voyez, si vous avez deux bombes comme ceci, si vous en avez deux dès le début, comme ma copine bien sûr, là vous êtes déjà vachement avantagé, parce que les deux bombes c'est vraiment trop fort je trouve. Donc après ça c'est à débloquer dans des coffres. Après n'hésitez pas à bien finir toutes vos games dès que vous pouvez, vous voyez. Validez, validez, validez. Dès que vous avez des tonneaux comme ça, n'hésitez pas à les faire, ça vous fait gagner plus d'or. Plus vous avez d'or, plus vous améliorez vos cartes vite. Plus vous améliorez vos cartes vite, plus vous montez vite en étoile. On est d'accord. Bien penser à faire son attaque de ligue tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de dépenser vos 10 tokens là-haut parce que c'est pour faire mieux tous les jours. Mais au moins en faire une tous les jours. Ça c'est vraiment indispensable je trouve. Ça fait gagner aussi beaucoup d'or, des gemmes. Et des cartes en fin de semaine. Bien penser à rejoindre un clan dès que vous pouvez, car c'est important. Pensez à rejoindre un clan. Moi je vous conseille, là c'est dommage, il n'y a pas, mais prenez les petites cartes. Il y a des fois vous allez avoir des petites cartes. Là vous voyez c'est que des gros boss. Il y a des fois vous allez avoir ça mais en plus petites cartes, et vous allez devoir monter des paliers. À chaque palier vous allez gagner un point. Donc je pense c'est ce qu'il y a de plus rentable pour gagner des points. Bon là j'en ai pas malheureusement. Et à tous les jours vous gagnez ça. Donc plus vous avez d'attaque dans votre clan, plus la cagnotte elle monte. Plus vous arrivez à gagner des points, plus la cagnotte elle monte. Donc si vous avez un clan qui est actif, n'hésitez pas à rejoindre les loups chez BEM si vous voulez. Moi je suis toujours assez actif, je fais toujours mon attaque par jour. Il y a d'autres gens qui vont arriver, qui vont venir jouer. Donc vous inquiétez pas. N'hésitez pas, si vous regardez la vidéo, venez dans le clan, c'est fait pour vous. Et puis n'hésitez pas à parler, tout ça, à échanger surtout les gars. Parce que c'est très important sur des jeux comme ça, échanger c'est super 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 important. Parce qu'il y a plein de techniques, il y a plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas non plus à me conseiller, ce que je ne fais pas tout bien. Mais voilà. Donc moi je dis les gars, on va peut-être se faire un petit plaisir, on va s'améliorer une des troupes pour, devant vous comme ça. Moi je serais nous, je m'améliorerais bien cela quand même. Allez, c'est bon. Voilà, c'est amélioré. Hop, et on va aller se faire une petite game. Donc bien penser aussi à faire les donjons. Les donjons, ça c'est très important. Les donjons, c'est super super important. Car ça vous coûte juste des tokens. Et en plus, ça vous rapporte un max de... Un max de... Bah de d'or. Un max d'or, voilà, c'est tout. Et puis là, en fait, c'est que vous pouvez un peu jouer... Hop, ça va aller chercher. Ok, on va aller chercher les bonhommes. Okay. Non, j'ai perdu mon bonhomme, c'est con. Hop, on va aller chercher ça. J'aurais pu les garder, étant donné qu'ils avaient le bouclier. N'hésitez surtout pas les gars à, ouais, à, voilà, à faire le maximum que vous pouvez pour qu'on passe, c'est bien. Et alors ce qui est bien les gars, c'est que là, par exemple, je finis ici, vous reprendrez ici. Voilà. N'hésitez pas à accumuler vos items, les items c'est super important. Vous pouvez, ça peut vous permettre de finir une map.
vous pouvez finir une map grâce à un item. Ça veut dire que des fois, il vous manque un bâtiment. Grâce à un item, vous pouvez détruire ce bâtiment. Et ça, c'est super important. Donc, vous avez un item qui vous fait choisir entre des troupes. Vous avez un item, c'est comme une fusée, sauf que c'est en 3 fusées. Ça fait 3 fusées. Donc, par exemple, 3 bâtiments, il vous manque 3 bâtiments, ça peut marcher. Vous avez un item, ça fait rejouer le coup d'avance si vous l'avez mal joué. Et après, les autres, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Et un autre, ça vous fait changer le sens de vos troupes, je crois. Donc normalement, j'ai dû faire à peu près le tour. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais continuer à tryhard le jeu. N'hésitez pas à rejoindre le clan Les Louchébem, bien sûr. Et voilà, on va se retrouver très prochainement. Je vais essayer déjà d'atteindre ici, cette map-là, là, qui est très bien. Si... Petite astuce, si par exemple vous n'avez pas le temps de jouer vos games, genre moi des fois je me lève de bonne heure, je vais au travail, je n'ai pas le temps de jouer mes games, qu'est-ce que je fais? J'arrive au travail, je fais explorer, voilà, je joue mes games comme ça. Ça vous fait gagner de l'or, ça vous fait gagner comme ça. Bon, c'est dommage parce que voilà, ça vous fait gagner moins que si vous jouez, mais pendant ce temps-là, votre compte il continue de s'améliorer, vous voyez? Il continue de faire de l'or, il continue de faire tout ça. Donc des fois, vous avez le temps de jouer 3-4 parties, vous jouez les... Hop, et après, vous... Voilà, j'ai tout fait pour vous faire voir. Et en fait, les bateaux, vous allez en déverrouiller de plus en plus haut. Et par exemple, le premier donnait beaucoup moins que ça. Donc après, vous voyez, vous allez avoir un autre bateau là, il va donner vachement plus. Donc ça sera plus intéressant. Donc j'espère, les gars, que tous ces petits conseils... on va faire la free attack. Et que tous ces petits conseils sont bons à prendre pour vous. N'hésitez pas surtout à utiliser les capas de vos personnages. Parce que c'est super, super, super important. Donc là, vous voyez, hop, on va aller, tac, ça, on va prendre ça. Hop, on va aller chercher ça. Je n'ai plus de co. J'espère. Ah, je n'ai plus de co. Messieurs, dames. Ah, bah voilà. Ben voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, putain de merde. Et on est reparti. Lady and Gentleman. Attention. Try again. Ah, gars. Que se passe-t-il? C'est parti. On est reparti. Donc, c'est bon, les gars. Petite coupure. Excusez-moi. C'est... Ah bah, du coup, on repart avec tout. Ok, bon, on fait ça. Donc là, on va faire jouer ça pour qu'il pète le machin. Hop, là, il va aller chercher ça. On va récupérer ça. Hop, ça. Ça, on va tuer tout de suite. Comme ça, peut pas re-rentrer. Ça. Hop. Ça, c'est impeccable. Je garde mes sorciers, les gars, parce que mes sorciers, là, ils ont du bouclier. Ouais, mais par contre, là, va falloir que ça tombe assez vite, parce que sinon... Ouais, lui, va se faire démonter. On va le renvoyer. Pourquoi j'ai joué lui tout seul? On va jouer ça. Ah, pas assez. On va jouer ça, du coup. Ça va ouvrir, en plus. C'est magnifique. Génial. Génial. Génial, les boys. Génial. C'est extrêmement génial. C'est parti. Attention. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit quoi? On choisit... Tac. Allez, on choisit les gobelins. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est là. On défonce tout. Voilà, là, on a bien géré. Hop, là, on continue. Ça tombe tout de suite. Et là, on joue ça. Ça va passer. Ça passe quand même. On va prendre ça. Ça, je trouve ça cheaté, ça. Je vais prendre la bombe pour une fois. Parce que là, il faut vraiment... Ah ouais, mais attends. On va, avant de faire la bombe, on va attendre. On va d'abord jouer genre tous les sorciers. Et là, on va faire les bombes. Crac. Là, ça tombe. Et là, ça tombe. Maintenant, on va chercher ça. Ça, j'ai pas trop clair. Dommage, j'aurais pas dû jouer comme ça. J'aurais pas perdu un petit archer. Alors, là, c'est un peu tout groupé. Pom, 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 pom. Si on pourrait jouer ça là-dessus, déjà, ça
ça. Maintenant, on va jouer ça. On va prendre ça. On va jouer ça comme ça. Ah, oh, c'est dommage. On va pas. On va. On aurait pu passer presque, les gars. C'est vraiment dommage. Bon, c'est dommage. Donc vous avez vu, 3 stages. C'est déjà pas mal. Donc après, tuez sur votre dernière map, essayez de tuer le plus de bâtiments possible. Parce que bien sûr, c'est comme ça que. Bah, que ça marche, si vous voulez. Si vous êtes à égalité avec un autre, c'est celui qui a tué le plus de bâtiments. Donc vous voyez, vous gagnez encore 1000 d'or. Après, vous allez avoir votre récompense. Toc, 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 ça c'est où? Non, ce n'est pas là. Mais je ne sais plus où on voit ça. Voilà, là. Là, vous voyez. Bah, ça, c'est ce que gagne. On sait peut-être bien ce que je gagne. Non, c'est ce que je gagne, Silver 2, c'est ça. Je crois, ouais. Donc, vous avez vu, hein. Bon, moi, je suis Max Token. Donc, n'hésitez pas, les gars, à rejoindre Louchebem, le clan Louchebem. Donc, vous voyez, là, on a bien géré. Bon, là, il y a un peu moins de monde parce que. On est un peu moins actif vu qu'il y a les autres jeux qui sont sortis, Clash Mini, les choses comme ça. Vous allez voir, on va sortir pas mal de vidéos. Mais bon, bah avec le boulot, tout ça, c'est pas toujours très simple. Mais sur ce, hein, on essaye, on fait du contenu, on essaye que ça soit propre, de faire du bon contenu, de bonnes choses. Et puis voilà. Sur ce, les loups, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu et si le contenu vous plaît. Et si vous voulez nous revoir dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à faire péter la barre de like. Et on se fait une grosse bise et on se dit ciao, ciao, ciao!